Je me sens mieux. J'ai toujours une petite douleur de temps en temps, mais j'ai repris la course et sans douleur. Donc on va travailler sur les prochaines semaines pour reprendre des petits appuis et petit à petit le ballon. La blessure, ouais, la rechute après le match d'Angers, ça a été très compliqué parce qu'on pensait que la blessure était derrière et du coup elle est revenue encore plus forte. Donc on prend un coup derrière la tête, mais on se dit on va bosser pour revenir au plus vite. Et du coup, ils m'ont envoyé à Saint-Raphaël, histoire que je puisse changer d'air, voir d'autres personnes qui auront peut-être des avis différents. Et du coup, j'ai passé 3 semaines là-bas. Donc j'ai travaillé avec du bon personnel, Baptiste et Romain, en l'occurrence. Petite dédicace. Et du coup, en revenant, on va dire que je reprends petit à petit la course, donc ça fait du bien de retrouver le terrain. Le temps est long, mais quand ça se passe bien, comme en ce moment, on va dire ça va. C'est plus quand l'équipe est en difficulté qu'on se dit on est impuissant, on peut rien faire. Donc là, c'est un peu plus dur. Comme en début de saison, c'était compliqué. C'est compliqué. Je regarde forcément le match du DFCO. Je suis, même si c'est stressant, on va dire, d'être sur le côté et de ne pas être acteur. Mais on essaye de faire avec. On prend sur soi, parce que des fois on est un peu énervé, on s'énerve beaucoup après les arbitres, bizarrement. Mais moi, c'est une situation qu'on n'apprécie pas en tant que joueur. Qu'on soit blessé ou même pas mis de côté, mais pas retenu dans le groupe, c'est toujours compliqué. Mais on travaille pour y retourner rapidement. Oui, le fait de retrouver le terrain et petit à petit le ballon, ça va toujours mieux. On a qu'une hâte, c'est de retourner jouer avec les copains. Donc, ça arrive petit à petit.